Bonjour les gens. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vos. Parce que je viens de recevoir un colis Master System. Alors, en plus, je suis content parce que déjà, Master System, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'avais pas reçu de nouveaux jeux, donc ça fait plaisir. Et en plus, c'est que des trucs un peu. On va dire exotiques, j'aime bien ce mot, hein, donc ça va bien. Bon, exotique, c'est un grand mot quand même. Hein. Bref. Donc, c'est parti. Donc, le premier, bon, c'est Wonder Boy 5. Donc Wonder Boy Monster World sur Master System en version classique. Voilà, c'est juste la jaquette qui change, bien sûr. Je l'avais déjà en version normale, mais voilà, pour la collection, je voulais avoir la jaquette alternative. Voilà, donc voilà, bien content d'avoir trouvé cette version là. En version classique, j'ai également reçu Donald Duck. Très très bon jeu de plateforme, je vous conseille, tout comme le Wonder Boy d'ailleurs. Hein. Alors, le Wonder Boy, je vous le conseille quand même sur Mega Drive, qui est quand même plus joli, plus sympa. Mais bon, ça reste un très bon jeu sur Master System, bien évidemment. Et donc, sur la Master System, vous avez donc le Donald Duck. Alors, il est super sympa, c'est vraiment voilà, si vous faites la collection Master System ou si vous avez une Master System, c'est le jeu à avoir. Voilà, simplement, voilà. Si vous aimez les jeux de plateforme avec Mickey Mouse, Castle of Illusion, tout ça, voilà, c'est. Il n'y a pas photo. Ensuite, donc James Bond 2 Robocode. Alors, celui-ci, je l'avais uniquement sur Mega Drive. Je ne savais même pas qu'il était sorti sur Master System. Et en plus, avec une édition un peu particulière, donc Kicks. Donc, voilà, content. Plus complet, hein, je crois. Ouais, voilà, la notice et tout. Voilà, bon petit jeu. Alors, j'ai pas encore essayé tout ça. Hein, je viens de recevoir. Donc voilà. Donc, je sais pas ce qui vaut par rapport à la version Mega Drive. En tout cas, voilà, moi, j'ai joué sur Mega Drive, sur Amiga aussi à l'époque, plus sur Amiga d'ailleurs. Très sympa, très sympa. Ensuite, alors, un jeu américain. On va tâter une petite série de jeux américains. Ghouls and Ghosts, je l'avais pareil en pâle. Alors, la jaquette est beaucoup plus jolie sur cette version. Voilà, c'est bon. Puis c'est un grand jeu, quoi. Je veux dire, voilà, Ghouls and Ghosts, tout le monde connaît. Voilà, c'est du classique. Et encore une fois, voilà, version américaine. Et puis la jaquette est différente, donc je voulais bien. Ensuite, encore un jeu. Alors, ça, c'est une exclue américaine. Where in the World is Carmen Sandiego? Je vous l'avais présenté, je crois, sur Mega Drive d'ailleurs. Donc voilà, et comme je l'ai dit la dernière fois, c'est pas un jeu que je jouerai. Là, c'est de la pure collection. Mais bon, voilà. Je suis tombé dessus un peu par hasard, c'était dans un lot. Enfin bref, voilà, j'étais content. Et enfin, le dernier jeu américain, King Quest, jeu de rôle. Alors, série bien connue. Hein. Alors, par contre, pareil, c'est jamais sorti chez nous. Et puis ma foi, il a l'air pas mal. Des vidéos que j'ai regardées un petit peu sur internet, bon, c'est un Master System, hein, donc c'est pas la plus jolie des versions, bien entendu. Enfin bon, voilà. Je le testerai quand même un petit peu parce que j'avais bien aimé. Donc voilà, très bon jeu. Et enfin, alors, je vais terminer une fois n'est pas coutume sur un carte mode. Un carte mode, pourquoi? Ben voilà, pour Gunsmoke. Qui est sorti à donc en arcade, bien entendu. On connaît la version NES, c'est peut-être la plus connue. C'est sorti sur CPC, je crois, sur Amiga peut-être. Et donc c'est une version Master System qui n'est jamais sortie. Et donc c'est la personne qui m'a vendu le lot de jeux qui est là, me l'a offert en gratuit. Donc très sympa, plutôt bien fait d'ailleurs. Alors, il n'y a pas de notice, bien sûr. Voilà, la petite cartouche qui a été imprimée et tout. Donc vraiment. Vraiment, il est bien fait. Je l'ai pas encore démonté pour voir comment c'était fait dedans, mais voilà. Donc, un petit carte mode fait maison. J'ai hâte de le tester aussi, hein, parce que c'est un petit jeu sympathique. Et je me demande bien comment ils ont fait ça, enfin, comment ça tourne en tout cas sur un Master System. Voilà. Donc, une petite rentrée bien sympathique. Ça fait bien plaisir d'avoir ces nouveaux jeux. Alors, je vous oublie pas la vidéo sur les je vais y arriver
Donc j'ai un trou, mais c'est vrai, ça va venir. Oui, donc sur les accessoires Dreamcast arrive, hein, en fait elle sera certainement tournée au mois de mai pendant la PGR. Alors la PGR c'est à la fois une association qui organise donc une convention au mois de mai, justement, j'y serai. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur leur forum un petit peu pour voir ce qu'ils font. C'est vraiment une très bonne asso. Il y a une super ambiance. Je crois qu'il n'y a plus de place. Hein, c'est parti super vite cette année. Mais c'est vraiment, vraiment des gens bien et des passionnés qui organisent ça et qui y vont. Il y a vraiment, vraiment. Je passe plus de temps à parler avec les gens qu'à jouer. En fait, voilà. Donc j'y serai. Je ramènerai un peu de matos ici. Mais vous verrez ça si vous venez ou peut-être quand je ferai la vidéo là-bas pour vous présenter ça. Et donc je tournerai la vidéo sur place, d'autant plus que j'ai un pote qui va me ramener aussi du matos pour pouvoir faire pour compléter un petit peu la vidéo. Mais je vous en dis pas plus pour le moment. Si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, le pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous voulez pas rater les vidéos, abonnez-vous à la chaîne et bien sûr, vous pouvez partager sur les réseaux sociaux. Sur ce, une excellente journée ou soirée selon le moment où vous regardez la vidéo. Ciao.